Je suis ici parce que, comme vous le voyez, j'ai un verre de vin en main. Et ce verre de vin, c'est celui que je fais. J'ai la chance de le distribuer en Belgique. Et tous les ans, je viens pour remercier des clients qui font confiance à mon vin. Celui-là, c'est un château. Celui-là, c'est celui qui peut effectivement, même au fil des ans, se bonifier encore. Autant le rosé doit se boire dans l'année pour qu'il garde sa fraîcheur, autant le château rouge prend de plus en plus d'arômes avec les années qui passent. Ces arômes sont des arômes qu'on retrouve évidemment dans les vins du sud, avec essentiellement des arômes de fruits rouges. Des fruits rouges, parfois même de cuir au chocolat. De toute façon, ça va très bien ensemble. Ça m'est arrivé ça m'est arrivé pendant 10 jours d'être obligé de ne pas boire de vin et de boire de l'eau à table. J'étais obligé et je me suis aperçu à ce moment-là que je n'avais pas de goût non plus à ce que je mangeais perdait aussi de son intérêt. Je crois que l'un et l'autre sont absolument complémentaires et la cuisine aussi est un art. Et quand la cuisine est originale, quand elle est inventive, quand elle est créative, comme elle l'est là d'ailleurs ce midi où je vous fais rejeter Jeanne, accompagné d'un bon vin, c'est encore mieux. Mon vin profite de la créativité de la cuisine et la cuisine profite de moi. C'est un one-man show et qui a tellement fait rire pendant un mois et demi que j'étais dans une espèce de nuage pendant ce temps-là et je sais que je ne me fais pas de doute quand je vais venir le faire à Bruxelles. Je devine la joie que je vais avoir d'entendre les rires. Parce que je sais que c'est probablement le plus drôle des trois que j'ai fait. C'est pas qu'ils disent des choses différentes, mais on sent. Mais ils les disent avec une spontanéité plus comment dirais-je, une générosité plus grande, c'est sûr. Alors ils disent les mêmes choses. Ils ont pas inventé, il n'y a pas des mots qu'ils inventent, mais les mêmes mots dits avec un tel élan qu'il y a quand même une différence. Je remercie ceux qui boivent mon vin parce que ceux qui boivent mon vin, finalement, boivent un peu de moi. Puisque c'est moi qui le fais et qu'il est au fond, un peu comme mes films, il est un peu le reflet de ce que je suis. Donc je suis très flatté que les gens le boivent. Je ne me lasse pas.